Ils ont fait un très gros match. Les joueurs, voilà, il faut les féliciter. Je les félicite parce que ils ont été du début à la fin. Voilà, ils ont été dedans. Voilà, ils ont décidé de jouer un losange au milieu pour les faire jouer à trois derrière et qu'on ait encore un peu plus d'espace. Et c'est ce qu'on a bien fait avec nos deux joueurs qui vont vite devant. Voilà, on les a bien alimentés et ont été très présents dans les duels. C'est ça qui est bien, c'est que voilà, ils n'ont pas pu s'exprimer. On avait pour consigne de les presser haut, on savait qu'ils aimaient bien ressortir proprement le ballon. Donc ça a payé ce soir, ils ont fait une erreur, je crois que Mandanda glisse, Fanny a pu passer son ballon, ou je sais plus. La santé sur ce coup-là? Ouais, bah, on devait tous être haut ce soir, donc fallait être attentif à tous ces détails-là, et ce soir ça a payé. On a joué avec deux attaquants, Serge et moi. On adore jouer ensemble et justement on se posait la question quand est-ce qu'on aura l'occasion de jouer ensemble. Ce soir le coach nous a mis devant. Avant le match on s'est dit qu'il fallait bah, tout donner, qu'il fallait répéter les efforts sans arrêt. Et puis derrière en même temps on a été pas mal servi. Jordan il a été plus à l'aise ce soir parce que là il avait deux solutions devant lui. Et puis là ce soir on a ajouté je pense la profondeur à notre jeu, chose qui nous manquait depuis le début de saison. Si on est perdu et qu'on devait se déplacer à Toulouse avec 40 points, voilà, on a eu un petit peu le feu. Mais bon, voilà, on a fait un gros match ce soir, il faut s'appuyer là-dessus et pour pouvoir aller chercher quelque chose à Toulouse. Mathématiquement, c'est pas encore fait, même s'il y a toujours cette barre mythique des 42 points. Voilà, on a vu des équipes descendre avec plus de points. Donc voilà, c'est sûr que c'est un grand pas, mais c'est pas encore fait. Il faut qu'on ait l'ambition de rester dans les 10 premiers. Voilà, c'est l'objectif, il faut qu'il soit là. On a des gros matchs devant nous encore. La semaine prochaine, on va aller chez un concurrent direct à Toulouse. Voilà, il va falloir garder l'esprit qu'on a affiché ce soir. Voilà, l'attitude qu'on a affichée ce soir, c'est celle que je veux voir sur les 5 derniers matchs. Voilà.